Cette affaire de disparition inquiétante concerne cette fois-ci un jeune homme âgé de 17 ans. Les faits se sont passés en février 1981, dans l'État américain du Colorado. Revenons sur les détails de cette disparition très inquiétante. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition, l'affaire Roger Ellison. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore le meilleur pour 2024. Nous sommes à Cedar Edge, une petite ville de l'État du Colorado, aux États-Unis, au centre du pays, au pied des stations de ski des Rocheuses. C'est là que vit depuis toujours la famille Ellison. Roger Ellison, le dernier né des garçons de la famille, s'est réveillé tôt ce mardi 10 février 1981 afin de se préparer pour se rendre à son école. Nous verrons plus tard pourquoi il est content de voir ce matin de la neige fraîche tomber. Cela le met de bonne humeur et c'est de bon augure pour le week-end sportif qui l'attend. Une belle journée s'annonce donc. Roger est en classe de terminale dans un établissement secondaire qu'il fréquente depuis quelques années déjà et qu'il connaît bien. Comme tous les matins, il prend le bus pour s'y rendre. À son arrivée dans l'établissement, rien de particulier ne se déroule. Dans son casier individuel, il prend les livres et cahiers dont il a besoin pour les cours du matin et rejoint sa salle de cours. Il discute brièvement avec l'un de ses camarades de l'établissement et doit rejoindre ensuite la salle prévue pour le planning. Il n'y arrivera cependant jamais. Roger Ellison n'assistera à aucun cours de la journée, à croire qu'il s'est littéralement volatilisé. Les cahiers et livres des cours du matin manqueront bien dans son casier et plus personne ne le reverra vivant dès cet instant. Dans l'après-midi, ses parents, Ernest et Elvin Ellison, se sont sérieusement inquiétés quand il n'est pas rentré à la maison après les cours. Ce n'est pas dans ses habitudes, mais alors pas du tout, de ce jeune garçon étudiant modèle et sérieux, assidu et même passionné par ses études. Il est le dernier d'une fratrie de 5 enfants, une fille et 4 garçons. En outre, et c'est une autre de ses passions, c'est un sportif accompli, visant une sélection nationale pour les épreuves de ski des prochains Jeux Olympiques. Ce à quoi il consacre d'ailleurs tous ses week-ends, le dernier ayant eu lieu à la station de Telluride dans le Colorado et le prochain déjà programmé à Aspen, toujours dans le Colorado. Et comme il y a de la neige fraîche, il est sûr de faire de bons chronos cette fois-ci. Il n'avait vraiment aucune raison de disparaître de lui-même, car il attendait avec impatience sa prochaine intégration au sein du prestigieux Western State College de Cunningston, toujours dans le Colorado. Il y avait d'ailleurs déjà une chambre en dortoir. Son avenir universitaire semblait tout tracé. On sent bien ici que le garçon studieux est organisé. En fin d'après-midi, ne sachant que faire, cherchant partout des informations, les parents appellent l'école secondaire, où ils espèrent avoir quelques informations complémentaires. Là, ils sont surpris d'apprendre que leur fils Roger a manqué tous ses cours ce jour-là. Au collège, on pensait même qu'il n'était pas venu ce matin, pour une raison ou une autre. Et c'est vrai que peu de gens l'ont vu ou croisé, hormis un ami à lui. Evelyne, la mère de Roger, de plus en plus inquiète, commence à appeler un à un les amis de son fils. Mais aucun d'entre eux n'a la moindre idée de l'endroit où il peut être. Le couple et les autres enfants, encore à la maison, ont ainsi passé une première longue nuit blanche, à attendre, près du téléphone, un éventuel appel de leur fils ou d'un tiers. Mais cet appel n'est jamais venu. Le téléphone restera silencieux. Dès le mercredi matin, très tôt, les parents de Roger se sont résignés à appeler le département du shérif du comté de Delta,
territorialement compétents et ont signalé la disparition de leur fils. Là encore une fois, c'est la désillusion. Le shérif local s'est dit comprendre leur inquiétude, leur déclare d'entrée que leur fils Roger n'avait pas disparu depuis assez longtemps pour ouvrir une enquête. Il n'y avait, toujours selon lui, pas d'inquiétude à avoir. Selon lui encore, il fallait attendre au moins 48 heures, soit 2 jours, pour entamer quelque chose. C'était une réponse classique. Attendons et nous verrons bien. Notons à ce stade du récit que cette situation et ses réponses étaient plutôt classiques à ces époques-là, en cas de disparition, même de disparition de personnes mineures, qu'on appelait d'ailleurs pas encore des disparitions inquiétantes. Notons aussi qu'aux États-Unis, et nous ne blâmons là nullement les enquêteurs et ce shérif qui effectue son travail selon des protocoles judiciaires bien établis, la façon de mener ces enquêtes est fort différente de nos habitudes européennes et françaises. C'est essentiellement lié aux fondements différents des systèmes de droit qui régissent les pays. C'est ainsi. Evelyne, la mère, n'accepte pas cette réponse, un peu courte, et les deux parents, ainsi que les frères et sœurs, entament sans tarder des recherches de leur côté. Petit à petit, ils se rendent compte qu'ils entrent, dès lors et pour longtemps sans doute, dans une véritable période de cauchemar. Une période partagée par nombre de parents dont un enfant a disparu un jour. Ce n'est que le vendredi 13 février, soit 3 jours pleins après sa disparition, que le cas de Roger a enfin été confié à un détective du comté de Delta. Détective qui serait l'équivalent d'un enquêteur judiciaire en France, précisons-le. Cet homme, Kate Webel, bien que négligeant pas la piste de toute façon toujours envisagée par tous les enquêteurs d'une possible fugue du jeune homme, comprend quand même assez vite que quelque chose cloche dans cette histoire. Il s'est très vite rendu compte que Roger n'était pas le genre d'adolescent que l'on s'attendrait à voir disparaître volontairement. Il était un étudiant modèle, bien intégré et un sportif de haut niveau, notamment en ski. Il avait des objectifs universitaires et sportifs ambitieux, à court et à moyen terme. Il menait une vie tout à fait normale, équilibrée et saine. De toute façon, pensait-il avec justesse, on ne disparaît pas subitement en se rendant d'abord à son lycée où l'on se montre ostensiblement et en se chargeant de livres et de cahiers qu'on ne retrouvera d'ailleurs pas. Pas plus qu'on ne disparaît un jour sans emporter d'affaires personnelles, ne serait-ce que quelques-unes. Affaires et vêtements dont on aurait besoin pour subsister ailleurs. Le seul bémol que recueillera le détective Webel durant son enquête est le fait que Roger était moins sociabilisé que les autres adolescents de son âge. Apparaissant un peu solitaire et réservé, mais cela ne fait pas de lui un fugueur invétéré. Lors de l'étude du contexte familial, pour bien comprendre et cerner le jeune homme, le détective notera aussi la relation profonde et constante qu'il entretient avec son père, Ernest, victime récemment d'un accident vasculaire cérébral qui a nécessité une opération à cœur ouvert et l'a obligé de fait à prendre une retraite anticipée. Pourquoi ce garçon qui s'occupait tant de son père jusqu'alors viendrait-il à disparaître tout d'un coup ? C'est incompréhensible et il faudra donc chercher ailleurs. Et ce ailleurs, ouvrant une autre et nouvelle piste, pourrait bien être cette rumeur qui commence à circuler, d'abord diffuse puis insidieuse, disant que Roger serait parti chercher un emploi dans une station de ski proche, dans les Rocheuses, sans rien dire à personne. Néanmoins, Evelyne, la mère, n'y croit pas. Roger lui en aurait parlé. Pas plus que ses amis avec qui il skiait presque tous les week-ends. Et de toute façon, il n'a jamais évoqué cette possibilité en famille.
On n'a d'ailleurs retrouvé aucune trace de voyage en car ou avec des amis vers une station de ski ou un lieu de villégiature dans les montagnes des Rocheuses. Pour bien faire, on évite de porter tous ces faits à la connaissance d'Ernest le père, malade et handicapé, pour ne pas aggraver sa situation médicale générale. La mère reste sûre et certaine que Roger n'aurait pas quitté la maison sans les prévenir et embrasser son père. Roger allait célébrer son 18e anniversaire le 11 mars 1981 et ainsi devenir majeur. Mais pour sa mère, cette coïncidence est un pur hasard. Roger, avant ou après sa majorité, aurait donné des nouvelles et les aurait éclairées sur sa situation. Il ne semblait rien leur cacher. L'enquête suit son cours, lentement, bien trop lentement, aux yeux des parents. Effectivement, les jours et les semaines passent. Le printemps est là maintenant, et rien de concret ne vient enrichir le dossier sur lequel travaille toujours le détective Bailey. Au collège de Cedar Edge, la vie scolaire continue aussi, et la fin du cursus s'annonce. Distribution des prix, félicitations, rendu des affaires pour ceux qui partent ailleurs pour suivre d'autres cours. Mais Roger est absent. L'empathie des premiers jours s'est émoussée, c'est logique et normal. Tout au plus compatit-on avec les parents. Ces derniers sont conscients justement que la fin du cursus annuel est terrible. Les amis de Roger, leur fils disparu, vont partir essaimer partout ailleurs. Peu d'entre eux, ils en sont sûrs, garderont encore des contacts avec la famille. La vie est ainsi faite, et ils en souffrent. En juillet, les parents, qui ne savent plus quoi faire pour faire avancer l'enquête, qui est au point mort, proposent une prime élevée, s'agissant tout de même de 8 000 $, à qui apporterait des informations utiles à la manifestation de la vérité. Car les parents, surtout Evelyne la mère, commencent à craindre le pire, 5 mois après la disparition subite de Roger son fils. Mais un nouveau drame va frapper la famille Ellison, déjà si fortement secouée. En effet, en plein été, le 21 août 1981, Ernest, le père dont la santé a très vite décliné après la disparition inquiétante de son fils Roger, disparaîtra après avoir été victime d'un second accident vasculaire cérébral. À l'âge de 58 ans seulement, il n'a jamais accepté la situation relative à son fils cadet. Evelyne, elle, a juré de continuer les recherches sans lui, soutenue par la sœur et les 3 frères de Roger. Le détective Webel balayera, une à une, les pistes ouvertes relatives aux stupéfiants, à une éventuelle dépression sévère ou une maladie mentale qui aurait affecté Roger et enfin celle d'un départ inopiné pour quelque raison que ce soit. Rien, absolument rien, n'étaye toutes ces hypothèses. Bizarrement, des médiums dont la crédibilité est parfois remise en cause, des détectives amateurs, souvent incompétents et de mauvaise foi, et des gens curieux harcèlent la mère Evelyne de leurs appels et sollicitations. Elle en arrivera à déprimer profondément, ayant perdu son époux et se battant seule avec ses enfants. Une année va passer, puis 2, et d'autres aussi, sans que l'affaire ne progresse réellement. Il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a aucun élément. En 1989, le shérif du comté de Delta admet que cette disparition est un mystère complet. S'il se dit convaincu que l'affaire est criminelle, mais reconnaît qu'il manque de preuves évidentes et d'éléments incontestables. Il aurait, comme d'autres cas graves vécus lors de sa longue carrière, aimé retrouver un corps, saisir une arme compromettante, arrêter un coupable et recueillir ses aveux. Au lieu de cela, il n'a rien. Et en 1992, le 9 février, Evelyne, la mère, fatiguée, usée, à force de s'être battue dans ce qu'elle appelait ces dernières années, le combat de sa vie,
décédera malheureusement à l'âge de 70 ans, sans avoir obtenu des nouvelles de son fils Roger. On est à un jour du 11e anniversaire de la disparition de son fils. Un rebondissement d'importance va néanmoins survenir en mars 1994, soit 13 ans après la disparition de Roger. En effet, un tuyau criminel d'importance viendra aux oreilles des spécialistes du shérif du comté de Delta. Un tuyau qu'ils décident d'exploiter. En effet, les détectives, aidés de terrassiers et de manœuvres, vont faire creuser et retourner une grande partie de la cour de la morgue, Taylor, située tout à côté que l'école que fréquentait jadis Roger. La morgue n'est pas en cause, rassurons-nous, tout de suite. Mais le bâtiment appartenait auparavant, lors de la disparition de Roger, à John Patch, un ancien enseignant de psychologie au collège. Et justement, il a eu Roger comme élève pendant plusieurs années. Cela ne prouve rien encore, et les détectives ne trouveront rien de probant et de concret lors de ces fouilles. Mais le temps avait passé et les seuls meubles avaient été bougés. Cependant, le dénommé John Patch animera longtemps cette nouvelle phase de l'enquête, qu'on croyait fermée à jamais. Car des faits troublants refont surface. Evelyn, la mère, s'était quelque peu méfiée de cet enseignant après la disparition de son fils Roger. Car John Patch est venu lui rendre visite ainsi qu'à Ernest et leur a dit que Roger avait des tendances plutôt suicidaires et que selon lui, la piste à creuser était celle-ci. Qu'en savait-il? Cette opinion n'a été partagée par aucun des autres enseignants de Roger, ni par ses camarades d'école ou ses amis proches. Mais John Patch affirme en savoir plus sur Roger que quiconque, parce qu'il avait conseillé Roger. Evelyn, la mère, confiera au détective que Roger n'appréciait guère cet homme, qu'il l'aurait obligé à s'arrêter chez lui pour déposer ses devoirs au moins une fois. Elle reste persuadée que son fils n'aurait jamais accepté d'être conseillé par lui, surtout sans s'en ouvrir à elle ou à son père. Des témoins déclareront encore que, peu de temps avant sa mort, Evelyn a réitéré ses soupçons sur ce John Patch, répétant qu'elle avait toujours eu le sentiment étrange qu'il était impliqué dans la disparition de son fils. Elle pensait également que certains des camarades de classe de Roger en savaient probablement plus qu'ils ne l'admettaient. Les détectives ont alors convenu qu'il était temps de réinterroger certains de ses anciens amis et camarades de classe. Ce qui a conduit à l'information sur l'ancienne propriété Patch. John Patch avait déménagé en Californie plusieurs années après la disparition de Roger. Bien que les détectives aient refusé de le nommer suspect dans l'affaire, ils sont retournés à son ancienne propriété en avril 1994 pour effectuer les fouilles déjà évoquées et chercher de potentielles sépultures et des tombes. Ils traceront 6 anomalies, dont 2 sous béton, dans cette cour. Mais ne trouvant rien, les fouilles vont s'arrêter trop tôt. Ils reconnaîtront que davantage de travail d'enquête aurait dû être effectué avant de fouiller les zones cachées par du béton. Néanmoins, divers ossements animaux seront découverts. Troublant certes, mais preuve insuffisante. En septembre 1998, un autre détective du comté de Delta, Dave Duncan, a reçu un appel d'un homme qui prétendait savoir ce qui était arrivé à Roger. L'homme, qui était sur son lit de mort, a dit qu'il voulait se donner bonne conscience avant de mourir. Selon le détective, l'homme et un ami se trouvaient tous deux dans la région de Cedar Edge, en train de braconner des serres au début de 1981, lorsqu'ils ont vu un jeune homme qu'ils croyaient être Roger être menacé avec une arme par un autre homme. L'ami du mourant s'est présenté et a corroboré l'histoire. Les deux hommes ont déclaré que Roger leur avait dit que l'homme allait le tuer pour une mauvaise affaire de cocaïne.
Roger aurait donc été mêlé à un trafic de stupéfiants. 17 ans après les faits, les enquêteurs ont alors sondé et fouillé les bois où les hommes ont affirmé que Roger avait été abattu, à la recherche de tout signe d'os ou de balles ou d'autres indices encore. Mais ils n'ont rien trouvé de probant. Admettons quand même, comme eux, que le manque de preuves ne signifie pas nécessairement que les témoins mentaient et qu'il n'y avait rien à trouver. L'hypothèse de cette participation de Roger à un trafic de stupéfiants et à une transaction douteuse et scrupuleuse refait donc surface, alors que personne n'y avait jamais cru. Si tout le monde est dans le déni, Roy, le frère de Roger, admettra quand même que Roger était bizarre la dernière fois qu'il l'avait vu. Peut-être, pense-t-il, avait-il quand même été impliqué dans quelque chose qui a échappé à tout contrôle et a conduit à sa mort inéluctable. La vérité sur cette étrange disparition ne sera peut-être jamais connue au fil du temps qui passe inexorablement. Voilà plus de 42 ans que Roger a disparu, par un beau matin de février 1981. Son sort restera pour longtemps sans doute, ou pour toujours peut-être, un mystère. C'est la fin de cette tragique disparition. Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à croire en l'hypothèse de cette participation de Roger à un trafic de stupéfiants. J'espère qu'un jour, ses frères, ainsi que sa sœur, sauront un jour la vérité. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.